Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est soit cool ou Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir réaliser des contrats pour débloquer 55 000 XP sur Fortnite saison 5. Alors très important, regardez, il est marqué que ce défi termine dans une semaine et un jour. Donc il faudra réaliser les 5 contrats que vous devrez accomplir sur Fortnite saison 5 avant une semaine et un jour. Ou sinon vous ne pourrez plus réaliser ce défi. Alors voilà, pour réaliser des contrats, vous allez devoir trouver des PNJ comme ça. Donc là c'est Ragnarok, c'est le skin Ragnarok. Et des skins comme ça, il y en a vraiment partout sur toute la map. De toute façon, regardez, quand vous allez dans collection, il y a exactement 40 skins qui traînent dans la map et il faut tous les découvrir. Donc celui-là, il est près de la Colossal Calysium. Celui-là, il est près du Razor Crest. Donc Colossal Calysium, c'est ici, voilà. Et en fait, il va falloir aller dans l'arène, par exemple, si vous voulez lui parler à lui. Et vous allez tout près pour lui parler. Donc moi, je suis ici à Holy Edge, donc il y en a un juste là. Alors je ne sais pas s'il spawn à toutes les games. Mais n'hésitez pas à aller voir. Et là, vous lui parlez. Et là, vous attendez. Vous choisissez un contrat. Donc là, c'est des quêtes. Donc, c'est pas ça qu'il faut. C'est le contrat. Donc, c'est celui du milieu. Après, il y a un défi. Donc, vous pouvez le défier pour avoir son arme. Et ici, vous avez un renseignement. Donc, il faut trouver des coffres à proximité pour trouver des renseignements. Alors là, ce qui nous intéresse, c'est les contrats. Donc, éliminer un joueur adverse. Donc, vous prenez le contrat, hop, comme ceci. Faites en sorte que personne ne se souvienne de son nom. Donc là, on valide. Éliminer un adversaire. Ok. Et je pense que j'ai dû payer des lingots d'or. Hein. Donc, contrat accepté, éliminer. Sound Dunt Alarm, qui est justement dans la zone. Donc là, ici, elle est dans la zone. Donc, il faut que je la cherche par rapport à ici. Donc, je vais la chercher et je vais essayer de la tuer. Donc je pense que c'est un autre joueur. Hein. Je pense pas que ce soit un PNJ, mais on verra bien. Alors je sais pas s'il y a plusieurs missions différentes ou si c'est que des contrats d'élimination de joueurs. Mais en tous les cas, vous allez devoir réaliser 5 contrats comme je viens de vous le montrer pour pouvoir débloquer les 55 000 XP. Donc ça, c'est les lingots d'or, c'est ça. Donc vous en trouvez dans des ravitaillements, dans des caisses, enfin dans des coffres. Quand vous tuez des joueurs, vous en trouvez aussi. Ok, donc là, il y a une personne, mais je sais pas si c'est elle. Je crois que c'est elle, hein. Je crois qu'il y a moyen, hein. Alors. Ouais, c'est elle. Ok. Donc, c'est parfait. Voilà, éliminer un joueur adverse. Contrat accompli, cible éliminée. Donc, ensuite, qu'est-ce qui va se passer? 500 points de dégâts, ouais. Accomplir des défis. Donc j'en ai réalisé 1 sur 5. Donc ici, 1 sur 5. Donc, je vais regarder si je peux aller lui reposer, lui redemander une nouvelle mission. On va voir. Hein. Peut-être qu'il a disparu ou peut-être pas. On va voir ça. Ok, il est toujours là. Donc je vais aller lui demander une autre mission pour voir qu'est-ce qu'il va me demander comme mission. Alors, contrat éliminer un joueur. Ben, je pense que c'est tout le temps comme ça en fait. Tout le temps éliminer un joueur adverse avec ce personnage là. Je vais juste regarder un truc, attendez. Ah oui, très important, vous ne devez pas payer en fait. C'est une récompense. Vous recevez 70 lingots d'or. Vous ne devez pas payer le contrat. C'est ici que vous devez acheter. Donc ici par exemple, je vais l'acheter. Mettez la main dessus. Ok. Et là, il me montre plusieurs coffres. Donc, je ne sais pas si. C'est vraiment important ou si ça va me donner quelque chose d'important ou si c'est seulement pour me montrer des coffres. Je crois que j'ai dû payer 10 lingots d'or pour en trouver, enfin pour qu'il me les montre. Voilà, ça montre rien de spécial, ça montre juste des coffres, donc c'est pas trop incroyable quoi. Alors regardez, là j'avais un contrat avec le Gladiator et en fait c'est la même chose, là il me demande d'éliminer un joueur adverse pour gagner 70 lingots d'or. Donc je pense que tous les contrats c'est toujours la même chose ou peut-être regardez la quête. Ça fonctionne aussi peut-être comme un contrat, mais là c'est éliminer un joueur en ayant 50 PV ou moins. Donc voilà, je sais pas trop si ça fonctionne les quêtes pour les contrats, mais vous pouvez toujours essayer. Si ça fonctionne, n'hésitez pas à le dire en commentaire.
Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était sur Cool Mec et ciao. Peace. Yummy, bruh.